Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maxime Moulin et on se retrouve pour la suite de la série de James Bond. Enfin, GoldenEye plutôt, hein. Mais bon, c'est un James Bond quand même. Et on s'est arrêté la dernière fois, on avait fini la troisième mission, donc on est déjà à la moitié du jeu. Ouais, c'est rapide. Ouais, bon, donc là on va continuer la partie. Et non pas continuer la partout. Donc là, on peut voir qu'il y a plein de soldats. On va tous les buter. On va faire notre Craig. Daniel Craig. Ouais, bah ça, j'ai remarqué, ça commence toujours comme ça. C'est-à-dire, on voit le visage de Daniel Craig, puis pfiou, la caméra tourne pour rentrer dans ses yeux. Donc là, on va essayer de ne pas se faire le piré, hein. Donc là, il y a deux soldats là-bas, il y en a un là. Attends, je vais vous raconter une blague, c'est pour ça que je vais me mettre comme ça au cachet. Une blague qu'un ami m'a racontée. C'est deux tyrannosaures qui se rencontrent et qui se discutent. L'un dit à l'autre, alors, comme ça tu pues de la gueule. Et l'autre il dit, quoi? Mais qu'est-ce qui t'a raconté ça? Et là l'autre il fait... Non, laissez tomber. Vous pouvez insulter mon ami en commentaire. Ouais, pour une fois, la blague de merde vient pas de moi. Ah non, je déconne, elle était bonne cette blague. Il y en a aussi une autre qui m'a raconté, mais... Non, je vais pas la faire. Oui, ça parle de bites, de couilles, non. non. bonjour. Bon bah on va les éliminer ceux-là. Putain, qui c'est qui m'a repéré d'autre? Oh putain, mais qui c'est d'autre qui m'a repéré là? En plus j'ai que ça comme arme, donc vas-y. Putain, yeah! Oh! Et les bons hommes de neige, calmez-vous là. Oh putain, une grenade. J'ai mis du temps avant de remarquer la grenade. Ouais, AK-47, vas-y. Ah, pauvre con. Eh, du con. Tu veux que je te raconte la blague? Ouais, puis merde, il m'emmerde. Dans les burnes! Ah non, bon, vous voulez que je vous la raconte la blague? L'autre blague qu'il m'a raconté, mon pote? Ok. Ah, c'est que je suis silencieux. Ah, c'est pas mal. Donc, c'est le gosse, il va voir son père. Et là, il voit son père à poil en train de pisser. Et là, il lui dit: hé, papa! Putain, tu as une grosse bite! Et là, il y a son père qui lui répond: oh putain, bah attends de voir celle de ta mère. Oui, c'est particulier. Mais bon. Quoi? Je vous avoue, je me suis retenu de rire hein, quand il m'a sorti cette blague. Allez, dites que vous avez rigolé, bande de pervers, hein. Alors, est-ce qu'il m'a gueule? Donc, attends, un acheteur club. Bon, je crois que ça veut dire qu'il faut pas aller par là. En plus, c'est une tête de mort. Donc, Ah, il était encore en train de ramper, c'est-à-dire qu'il était même pas mort. Hein. Oui, j'augmente encore un peu le son.
des loups, quoi. C'est bon, ils sont morts. Hein? Moi, j'ai eu peur, hein. Attention, il y a un con là-bas. Vous y êtes, Bond. Vous devriez bientôt avoir le centre de recherche en visuel. Quel centre de recherche? Pour l'instant, moi, je vois que dalle, je te l'avoue. Hein. Ah, parce qu'il faut que j'aille voir un centre de recherche. Non, j'ai un peu oublié. Mais... Ah, putain, il fait froid, on se les gèle, hein. Il fait moins 12. Oh, putain, c'est quoi ce bordel? Une faille spatio-dimensionnelle ou quoi, là? Un ovni. Bond, OMI-6, vous me recevez? Donc si là, j'ai bien compris, on est censé se trouver lors de l'attaque du QG, où James Bond n'y était pas. Et là, il y est dans le jeu. Pourquoi pas? Et ce passage se déroulait au début du film, alors que là, on est à mission 4 sur 6. Ça me fait peur. Ah, ils ont changé l'histoire, là, hein. J'ai bien vu. Hein. On a du travail. Bon, ben... Voilà, lui c'est fait. Salut toi, ça va? Ça surfe, c'est quoi ton nom propre? Restez concentrés. La fédération a dépensé beaucoup pour préparer un tel événement. Ah, il y en a qui sont en train de bouger en hauteur, là ça me fait peur. Un territoire de sécurité enclenché, je ne veux pas d'accident. Accident stupide, mais non! Ça me fait peur là, il y en a beaucoup qui sont en train de se déplacer en hauteur. Attends, il y en a combien qui se déplacent en hauteur? J'ai l'impression qu'ils reviennent à l'infini. Ouais, c'est le cas, ils arrêtent pas de repasser à l'infini en fait. Hein. Soyez prudents, messieurs, n'ouvrez le feu que si vous avez identifié la cible. Quelle cible? Donc là on essaie de passer discrètement. Oh c'est quoi ça? Oh non. Caporal, combien de blessés avons-nous? Chut! Faut pas faire de bruit! Moi, c'est un mec là. Mon cul, ils ont entendu une explosion, c'est peut-être un truc qui a pété. Ah non, ils savent automatiquement qu'il y a un James Bond dans le coin. Putain, non, ça c'est chiant par contre. Et comment tu veux que je sache que c'est un truc explosif? Pour moi, ça avait l'allure d'un mec. Jeu de merde. Non, je me suis pas fait gauler, je t'ai dit, je me suis pas fait gauler. Oh con. Vas-y. Là, il y a les échos qui tombent, il y a l'air d'avoir une décharge IEM. Sympathique. J'aime pas les mecs qui sont en train de passer au-dessus là. Surtout pas que je me relève. Ils sont de l'autre côté donc j'ai peur là. Putain, il y en a juste là. Des gugus. Là je te l'avoue. Oh que putain, il y en a même là.
Putain, franchement, le mec, je lui ai tiré une balle en pleine tête. Ça, même ça, ça lui a rien fait. C'est bon. Nickel. Et toi là? Wesh! Et clac! Faut pas faire de bruit là! Il y a l'autre qui est en train de pisser là. Je craque. Ouais, bah, c'est bon. Ah, là je réussis bien là! À part 2-3 fails, mais. Parce qu'il y avait des petits trucs assez mal faits ou parce que vraiment je me suis viandé, ça va. Attends. Putain, mais il y en a combien? Sur quoi ils tirent? Non, attendez, si c'est pas sur moi, ils tirent sur quoi? Donc là, ils ont l'air de se faire tirer dessus par d'autres personnes. Oh, je vais quand même les buter. C'est pas drôle sinon. Voilà, ça signifie. Voilà, ça c'est fait. Ah putain, il s'en fout, je lui tire dessus, il s'en foutait là. Est-ce qu'ils m'ont remarqué ou... Donc là, il y a deux factions là, d'ennemis. Hein. Ouais, ouais, ouais. Oh putain là, c'est bon, ils m'ont gaulé. Wesh. Et du camp là. Donc là il y a les autres là-bas avec les lance-roquettes, ils ont l'air de s'éclater là. Bon, ça a l'air d'en revenir à l'infini en fait là-haut. Donc je vais peut-être, je vais pas les tous les buter. Donc comme on peut le voir là, il y a deux factions d'ennemis maintenant. Pourquoi pas. Oh, super arme. Ah, cette nouvelle faction. Et nouvelle arme, donc, hein, vu que nouvelle faction. Sauf que, vu comme j'ai dit, c'est une nouvelle faction d'ennemis. Ah, donc, peu importe qui je croise, je les bute tous. Comme je l'ai fait, là. J'ai l'impression qu'on peut plus faire discrétion là. Mais c'est pas pour ça que je vais bourriner, hein. Je vous le dis. Hein. Ah, ils ont super costard, hein, les nouveaux là, les méchants. Salut. Wesh. Bon, j'adore quand même laisser en quelques-uns de chaque faction, hein. Parce que ça m'évite qu'il y ait tout le monde qui essaye de me buter. Hein. Enfin, j'ai l'impression que là, je viens de buter tous ceux d'une faction. Donc là, il y a tout le monde qui me fonce dessus. Là. Bonjour. Eh, salut, mec. Eh, wesh. Oh putain. Eh du camp là. Il y en a combien là qui revient là? Je voudrais quand même savoir. Eh putain les mecs, je vous aide. Je me tuez pas, vous êtes con. Bon bah je vais me cacher hein. Bande de cons, je vous aide. Ouais bon, j'ai quand même tué certains de vos potes, mais bon.
ça, tu l'as dit, Bouffy, il vous faut de l'aide. Oh putain! Y'en a un con avec un lance-roquette là. Bonjour toi. J'ai l'impression que ça revient à l'infini hein, sur les collines là. Ah donc je vais pas buter tout le monde. Ah, c'est chiant hein, quand il y en a qui reviennent à l'infini. Ça donne vachement envie de combattre tout le monde. Hein. J'ai l'impression que c'est ceux en hauteur hein, qui reviennent à l'infini. Je vais les laisser hein, les petits bougres là. Oh bah, prendre mon flingue. Voilà. Donc en gros, j'ai l'impression qu'il y a les Russes et ceux qui ne sont pas Russes. Et là, et les Russes, ils sont habillés de la tenue là, blanche, que vous voyez, c'est comme ceux que je viens de buter. Alors que les autres, ils ont une tenue différente. En fait, les autres, ils ont pas de cagoule, des trucs comme ça. C'est comme ça que j'arrive à les reconnaître. Ils ont le visage couvert. Et là, ce qui ne me plaît pas, c'est que là, il y a des snipes. Ouh, salut toi. Qui es-tu? Oh putain. Putain, j'en ai eu un. Boum. Allez. Putain, il... J'ai l'impression que c'est pas les snipers qui restent là. Eh, faut qu'on là. Ouais, je t'ai eu toi. L'autre il est là-bas, je l'ai vu. Ah, il y en a même plusieurs là. Bien sûr, mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Oui. Tout à fait. Fais mon vieux, hein. Oui, pourquoi d'un coup je ne voyais plus rien? Sûrement parce qu'il y avait un connard avec une grenade, mais bon. On ne va rien dire. On ne va rien dire. Enfin si, on va sûr. On va dire quelque chose suivant d'où il me reprend. Ok, ça peut encore aller. Bon. C'est quand même pas le must. Donc là, attends. On était où là? Oh, évidemment, la première fois que je me suis pas fait coller, hein. Ta gueule. Donc la première fois que je me suis pas fait gueuler, mais c'est la première fois qu'on compte, hein. Vous êtes d'accord. Voilà. Donc là, on reprend ce putain de snipe. Et on va, ben, buter les snipes encore une fois. Et on va aussi buter les autres cons là. Putain, mais ils sont obligés de me massacrer, c'était con. J'ai l'impression que... Eh, pauvre con là. Ok, je vais vous aider.
J'en ai marre quand ils me font le coup de la grenade. Ouais, j'en ai marre. Voilà, j'ai essayé de régler la caméra. C'est... Ouais. Bam, 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 bam. Bah, on va dire que c'est bon. Alors, où on en était ? Eh bon. Bah, on va passer 10 points. Je vais essayer d'utiliser ce pont. J'ai pas encore utilisé. Donc, j'utilise. Putain, il y a un hélico qui essaie de se barrer. Donc là, j'ai l'impression que je suis dans le coin avec les l'autre groupe hein, d'ennemis. Hein, ceux qui sont pas russes. Eh, bande de cons, là! Oui, là, je fais pas discrétion, là, parce que... J'ai pas envie, hein. Ouais, ce sont pas les Russes, vous voyez. Ils ont un uniforme différent, ils ont... Ben, ils ont pas la cagoule, ils ont pas l'uniforme militaire. Et boum! Allez! Boum! 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 Et popcorn! Ah bah je crois que lui aussi il a un pompe. Je vais faire joujou. Oh putain. Et pauvre Dieu quand là. Oh, il reste plus que les snipes, j'ai l'impression. Les snipers, je vais me les faire. Hein. J'ai dit toi. Bon, on va laisser les snipers parce qu'ils m'emmerdent. Voilà, donc l'avant-poste c'est fait. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouvera prochainement pour la dernière mission de cette zone. Voilà. Et en attendant, bah... Faites-vous des bisous et faites-vous l'amour, pas la guerre, comme le dirait Jean-Pierre. Et dites-vous si vous avez aimé mes blagues, hein, les blagues que je vous ai faites. Je remercierai mon ami. Allez, bye les gens.